Skischer est l'un des tout premiers projets d'autopartage inter-entreprise en France. Il s'agit d'un projet de type MaaS, pour Mobility as a Service, synonyme de création de valeur ajoutée. C'est ainsi qu'a été pensé Skischer, par et pour les entreprises. Il a été construit avec Enedis, la Banque Populaire Val de France et Léonie. Il est porté par le Club Climat Énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le pilotage et le développement commercial du projet sont confiés à Effy Green Consulting. Skischer a officiellement démarré en octobre 2020 avec 2 stations et 10 véhicules électriques et hybrides. L'autopartage rentre dans la catégorie des mobilités innovantes. Selon Frost et Sullivan, le marché aura une croissance de 20% par an depuis 2017. Et selon Berg et Insight, le nombre d'utilisateurs pourra atteindre 61 millions dès 2022, dont 136 000 véhicules en autopartage B2B. Les objectifs définis dans notre cahier des charges doivent permettre de mutualiser les flottes de véhicules afin de réduire le coût des déplacements professionnels, de limiter l'empreinte carbone et valoriser l'engagement en faveur de la transition écologique, de mettre à disposition des salariés une prestation de haute qualité et d'offrir de nouveaux services. Enfin, de s'engager dans une démarche innovante en illustrant le caractère collaboratif du projet. Skischer est unique en son genre. 3500 heures ont été nécessaires pour le concevoir et 12 contrats ont été signés, chacun caractérisant une partie de la solution. Le savoir-faire accumulé nous permet aujourd'hui de pouvoir développer et accompagner d'autres organisations qui souhaiteraient bénéficier de notre retour d'expérience, comme par exemple la création de nouvelles stations de rechargement, le développement de nouveaux services de mobilité ou permettre de nouveaux investissements pour de nouvelles innovations. Nous attendrons de Techinov de nous aider à faire connaître Skischer en Île-de-France et au-delà, et à la fois nous aider à créer de nouvelles opportunités pour enrichir de nouveaux services avec par exemple le parking intelligent ou le mode one-way qui permet de laisser un véhicule à disposition d'autres utilisateurs lorsqu'il n'est pas utilisé.